On avance, et aujourd'hui, c'est la version 8. Cette version est assez complexe, avec trois éléments très importants qui sont comme les fils rouges pendant tout le cycle de ces 22 variations. Ces trois éléments, c'est la main gauche et les vagues. C'est le mouvement rond, le mouvement petit, le mouvement d'intérieur qu'on va trouver aussi dans les deux variations plus tard. Ne lâche pas ce mouvement pendant la variation entière, il tricote. Et par-dessus de tout ça, il y a les étoiles, nos étoiles de Maïakovski. Pour les étoiles, Rachmaninov a pris la seconde qui monte, pas la seconde qui descend du thème, mais le tout premier. Il laisse briller ces secondes, il est monté. Je vais jouer lentement deux premières mesures, avec tout ça entièrement. Quand je travaillais sur cette variation, j'aimais beaucoup de jouer lentement et écouter comment ces trois éléments, ces trois plans, ces trois niveaux, comment ils se retrouvent. Je joue exprès, quasiment sans le pédale, pour attendre très bien, même si ça sonne un peu sec et pur, mais c'est comme ça comme je vois les partitions. Il y a une mesure qui me rappelle beaucoup à Brahms. Il y a deux variations dans ce cycle qui me rappellent à Brahms, un compositeur que j'aime beaucoup. Et ici, c'est un élément qui est pas très habituel pour Rachmaninov, le mouvement des intervalles parallèles dans une main. C'est le même principe
sur lequel Brahms a fait ses variations sur un thème célèbre de Paganini. Et maintenant, je vais rejouer, comme d'habitude, cette variation entière dans le tempo savante. Et donc, c'est deuxième variation de ce petit groupe de trois. Donc, c'est la variation du milieu qui, dans laquelle on retrouve ces trois éléments. Les vagues, le petit mouvement d'intérieur qui n'arrête jamais, qui se tourne en ronde, et les étoiles. Thank you.